Bienvenue à The Outdoor Gorilla, la chaîne dédiée aux esprits intrépides et aux amateurs de mécanique et de plein air et de tout ce qui n'ira en salle comme des hosties de cochon. Avez-vous déjà ressenti le frisson de résoudre vous-même un problème mécanique ou électrique? Eh bien, si vous avez soif de connaissances pratiques et vous voulez vous sentir en harmonie avec votre véhicule, vous êtes au bon endroit. Mais ce n'est pas tout. Dans cet épisode, nous irons encore plus loin. Nous allons aborder un problème courant, les capteurs ABS. Donc, dans cette petite vidéo, je vais vous guider à travers le processus de diagnostic, vous montrer comment régler un problème relié à un circuit de capteurs ABS. Alors, merci à tous les nouveaux abonnés, bien sûr. Merci pour les likes. N'oubliez pas de, si vous voulez, supporter le channel. Moi, je fais pas une crise de scène, hein? Ça me... Zéro. Je fais pas d'argent avec ça. Fait que ma paye, c'est l'abonnement. Donc, ceux qui s'abonnent, merci, c'est très apprécié. Donc, sur ce, retournons à notre sujet principal. Alors, êtes-vous prêt à devenir un véritable gorille de la mécanique? Allons-y! OK. Fait que là, on a un problème. On a un témoin ABS qui allume, power steering qui allume, TPMS qui allume, puis track control qui allume. Ces quatre témoins d'anomalie-là qui vont être enclenchés. Tout ça va être principalement, eux autres sont enclenchés en fail-safe du code d'ABS qui va être à diagnostiquer en premier. Parce que tous ces capteurs-là, tous ces systèmes-là se relient à les entrées, les inputs de ce module-là. Donc, qui est le diagnostic trouble code. Ensuite de ça, là on a sorti les codes avec le scanner, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir le scanner, c'est un hôtel. Je suis pas payé par eux autres pour faire cette vidéo-là, je fais pas une scène moi ici. Bon, ok, anyway, c'est pas ça qu'on parlait. Capteur ABS arrière-droite. Donc là on a trois ou quatre causes possibles. On a la plus commune, c'est le capteur. Après ça, on a le filage, puis les connexions. Puis ensuite de ça, on a le module. Avec le capteur en premier, vu que généralement c'est la cause la plus fréquente. Puis après ça, on fait 2 puis 3. Généralement, c'est le capteur qui a gonflé. Le capteur a pris l'eau, puis il va avoir gonflé dans le knuckle, fait que là, il sera pas démanchable. Fait que là, t'arrives pour changer le capteur, une job qui serait censée genre prendre 30 minutes, puis finalement, ça prend 1h30 parce que faut que tu le drilles, puis il faut pas que t'endommages le reluctor sur le bearing. Hein. Donc ici, vous voyez, je suis pas très bon en dessin, là, mais ça, c'est en fait un reluctor. C'est la roue dentelée qui est intégrée après le bearing de roue, qui normalement est partie intégrante du bearing de roue. Donc c'est le reluctor. Comme ça, on a le capteur ABS qui passe ici, puis on a une portion signal pick-up. Lorsque la roue dentelée passe vis-à-vis du capteur, ben là, on a une transmission du signal. Donc là, ce qui est important, là, c'est quand c'est jammé, puis le capteur a gonflé dans le knuckle puis il est pas démontable, ben là il faut aller percer. Faut aller percer parce qu'on n'est pas capable de l'extraire, puis là il faut faire attention au reluctor. Donc c'est la petite roue dentelée qui est prise après le bearing de roue. C'est une opération qui est un peu risquée, mais avec un peu de patience. Puis là aussi j'ai oublié d'ajouter le reluctor dans les causes possibles. Vous voyez, dans le fond, on irait en troisième lieu après avoir inspecté le filage puis les connexions là. Le reluctor sera en troisième, pourrait être en troisième cause possible. Puis les ECU puis le module de contrôle, il sera plus en quatrième, quatrième place au niveau de la charte. Donc ça va être d'inspecter le reluctor, d'inspecter qu'il n'a pas été endommagé. Généralement, il faut enlever le bearing de roue pour inspecter le reluctor. Généralement, dans les véhicules plus modernes, ça y est intégré dans le bearing de roue. Donc c'est pas mal ça. Donc on va aller examiner le circuit en question. Donc ici on a le capteur flambant neuf juste ici, et ça c'est l'outil de diagnostic, coûte à peu près ça en piastres. Ça se branche dans le port OBD2, c'est fait par hôtel. Donc là, pour garder un voltage aux alentours de 12.4 et 12.6 volts pendant qu'on scanne avec l'outil, on met un chargeur juste pour maintenir un voltage stable pendant qu'on utilise le scanner.
Donc, c'est ça. On va laisser. On a besoin d'avoir la switch on, de toute évidence. Donc, on va brancher le petit cossin de la lumière verte. Quand vous voyez que ça allume vert, ça veut dire que le module est branché et qu'on a une connexion. Donc là, on va aller dans l'application. On va appuyer sur diagnostic. Ensuite, on va choisir la marque. De toute évidence, là, c'est un Honda. Là, on va aller dans les rechercher les dispositifs. On va attendre. Et voilà, le dispositif vient d'apparaître. On clique. Ensuite de ça, sélection manuelle. On clique sur votre pays. Moi, nous autres, on est au Canada. On fait scan automatique. Hors système. Donc, il nous avise de mettre ça au neutre. Et là, ça prend quand même un bon moment avant qu'il ait scanné tous les modules. On parle peut-être de 10 minutes environ pour faire le scan complet. Là. 5 à 10 minutes à peu près. C'est long. C'est très très long. Mais bon, c'est pas cher. Hein? Donc là, on a des codes dans le module OBS, on a des codes dans le module EPS aussi. Et on a des codes dans d'autres modules. Mais nous, on va se concentrer aujourd'hui sur les codes d'anomalie dans le module OBS. Donc là, on a les codes d'anomalie 2311, 1615, 1612 et 4311. Là, on va y aller, ça concerne tout le capteur OBS arrière-droite. Donc, si on regarde circuit du capteur de vitesse de roue arrière-droite vers autre capteur court-circuité. Généralement, ça, quand le capteur il va gonfler, là, les deux fils de connexion là, vont se toucher à l'intérieur du capteur puis ça va créer un court-circuit. Donc, capteur défectueux, oui, peut coder court-circuité. Donc, la première étape, ça va d'aller vérifier, d'aller démonter la roue arrière-droite et d'aller inspecter le capteur. Ensuite de ça, on va jacker le char. Là, on va enlever avec ma petite M-Pack électrique. On enlève les notes de roue. On enlève la roue. Et voilà, comme ça. Ensuite de ça, on va déposer les notes, on va chercher un bed pour pas se maganer les genoux. Donc là, on a une petite vis 10 mm à démonter pour enlever le capteur. De toute évidence, il s'enlèvera pas, il va être jammé tight. On peut ajouter un peu de lubrifiant ou de produit anti-rouille pour essayer de dégager le capteur, mais généralement, là, quand il est saisi dans le knuckle, c'est pas démanchable. Donc là, on va prendre un punch, puis on va casser le capteur net, bien droite, pour qu'il n'y ait plus rien qui dépasse de la surface du knuckle pour faciliter le perçage du capteur, pour vraiment percer en ligne droite, pas percer de biais pour ne pas endommager le fameux relucteur. Donc là, on va enlever le capteur
De toute façon, il est scrap, fait que on s'en crisse de le couper en deux. Et voilà, c'est fait. Et il va juste en rester à driller. Donc on va essayer de souffler pour enlever les déchets, les débris. Pour qu'il y ait le moins possible de débris, de capteurs dans le trou. Parce que avec les cochonneries peuvent fausser le signal s'il y en a trop. Là, pour des fins de remontage et de démontage, moi je mets un peu de graisse électrique sur les capteurs. Ça facilite le montage dans le trou. Puis ça fait l'entretien et l'inspection plus facile la prochaine fois. C'est sûr qu'il va être plus facile à démonter s'il est monté dans la graisse diélectrique que s'il est monté à sec. Ben, faire attention de ne pas en mettre trop sur la portion qui vient faire prendre le signal pour ne pas fausser le signal du capteur. Juste en mettre sur la partie cylindrique là, qui vient dans le corps. Donc là, on a sauvé à peu près 100$ sur le coût de la pièce. On va avoir sauvé à peu près 200-300$ de temps. Donc vous voyez comme quoi l'importance des talents manuels prend tout son sens ici. Là, ce job-là nous aurait coûté à peu près, là, étant donné que ça se passe pas terriblement bien, là, que le capteur est jamais dans le coffre. On aurait sauvé à peu près là, pas loin de 400$ overall. Là. Avec le coût du capteur et le temps de la main d'œuvre et les taxes. Ça, c'est juste pour une réparation. Donc, l'importance des talents manuels. Avoir des talents manuels dans la vie présente plusieurs avantages. Ça peut contribuer de manière significative à votre développement personnel et professionnel. Voici quelques raisons pour lesquelles les compétences manuelles sont importantes. Au niveau de l'autonomie, les talents manuels vous permettent de résoudre vous-même de nombreux problèmes au quotidien, que ce soit à la maison, dans votre voiture ou ailleurs. Cela renforce votre indépendance et réduit votre dépendance vis-à-vis d'autres personnes pour effectuer des réparations ou des tâches simples. Au niveau de la satisfaction personnelle, accomplir des projets pratiques avec vos propres mains peut être extrêmement gratifiant. La sensation de réussite que vous ressentez en construisant, réparant ou créant quelque chose est incomparable. Au niveau de l'économie financière, bien c'est sûr, hein, en développant les compétences manuelles, vous pouvez économiser de l'argent en évitant de faire appel à des professionnels pour des réparations ou des projets simples. Donc là, on voit que TPMS est plus allumé. Oh, TPMS vient de rallumer. RBS est plus allumé. Ah non, il peut lui. Ça y est, juste clignoté. Alright. Donc, on va refaire un scan. Aucun code d'erreur détecté. Puis, ce qui est très important aussi quand on drille les capteurs qui sont jammés, il faut faire attention au relupteur. Hein, c'est notre petit trou dentelé qui est intégré ou bien souvent qui est fixé au bearing de roue. Donc, il faut faire attention quand on drille le capteur. De ne pas endommager le relupteur parce que bien souvent il vient avec le bearing, donc ça vient te coûter un bearing de roue si tu endommages le relupteur. Donc là, le capteur est remplacé, les codes d'anomalie sont effacés. Donc là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est mettre la roue puis aller faire un serre-outil. Parce que si, exemple, on a endommagé le relupteur, là, ben on va le savoir juste une fois qu'on va avoir été sur la route.
Et là, s'il y a quoi que ce soit, le système va détecter une irrégularité dans le signal OBS et on va avoir un nouveau code d'anomalie là, si on a endommagé le routeur. Donc, c'est pour ça, toujours faire un road test après le remplacement d'un capteur OBS. Bon, donc là, il faut ramasser le bordel puis réinstaller la... Donc c'est tout pour cette vidéo, merci d'être là, merci d'avoir écouté. Laissez-moi savoir dans les commentaires quelle est votre aptitude manuelle que vous utilisez à la maison, chez vous, au travail, dont vous êtes le plus fier. Laissez-moi vos commentaires, je vous remercie encore et à la prochaine!